joueurs de football sont connus pour faire des folies en ce qui concerne leurs conditions de vie. Les acteurs du monde du ballon rond sont grassement payés par leur talent et leur sens du spectacle. Leur popularité et leurs aptitudes commerciales leur permettent de gagner d'énormes sommes d'argent grâce à des accords de sponsorisation et des contrats lucratifs. Ainsi, les stars du football dépensent beaucoup d'argent pour s'offrir du luxe. Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, les footballeurs dépensent très généreusement. Ils ne sont pas radins et ne se privent pas d'acheter de superbes manoirs ou villas pour se détendre dans le plus grand des conforts. Tu l'auras deviné, aujourd'hui, je vais te parler des 10 maisons de footballeurs les plus chères. Avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 euros. Alors rejoins-nous dès maintenant, le lien est dans la description. Numéro 10, la villa de Neymar en Brésil à 3,25 millions d'euros. On commence donc avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar Jr. De multiples sources de presse ont affirmé en décembre 2021 que Neymar avait acheté une maison au Brésil pour environ 3,25 millions d'euros. La demeure compte 7 chambres, une grande piscine, un cours de squash, un bar à cocktail, un ascenseur panoramique contre les étages et un garage pour 20 voitures. Numéro 9, Kylian Mbappé et sa Pontouse à Paris pour 3,5 millions d'euros. D'un joueur du PSG à un autre, s'octroyant la 9e place de notre top est Kylian Mbappé. Une demeure de 600 mètres carrés divisée en 2 étages, lumineuse et avec une décoration contemporaine. La Pontouse de Mbappé offre une vue à 360 degrés sur le Champ de Mars et bien sûr la Tour Eiffel, offrant une vue imprenable sur la capitale française. Il est également idéalement situé, à seulement quelques minutes de route, du mythique Parc des Princes. Numéro 8, le manoir à 5,5 millions de John Terry. Le défenseur emblématique de la sélection anglaise, John Terry, est propriétaire d'un énorme manoir à Londres datant du 18e siècle, qu'il a complètement remodelé. Une cave à vin, une chambre à cigares, une cuisine high-tech, un terrain de foot et un parcours de golf, et j'en passe. Numéro 7, Didier Drogba et sa villa à 6,5 millions d'euros à Surrey. Lors de son passage à Chelsea, l'attaquant ivoirien Didier Drogba fit l'acquisition d'une très belle maison pour le montant ahurissant de 6,5 millions d'euros. La villa est située sur un terrain de près d'un hectare, sur le prestigieux Crown Estate d'Oxshott, Surrey, près du terrain d'entraînement de Chelsea à Cobham. Elle comprend 6 chambres, 7 salles de bain, 5 salles de réception, un complexe de loisirs et une grande piscine. Numéro 6, la villa à 7,2 millions d'euros de Gareth Bale. Gareth Bale est détenteur d'une villa située dans le quartier le plus riche de Madrid. Il réside dans le quartier de la Finca, une zone qui abrite les plus aisés de la capitale. Parmi ses voisins, on trouve l'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, et la star actuelle du club, Karim Benzema. Son logement de luxe compte 4 chambres, une piscine intérieure, une salle de sport, ainsi qu'un énorme garage. Numéro 5, Lionel Messi et sa villa à 9,5 millions d'euros à Ibiza. En 5e place de ce classement, le joueur sur toutes les lèvres en ce moment, l'actuel champion du monde Lionel Messi. Contrairement à son apparence, la Pulga est une personne qui adore faire la fête, et une de ses destinations préférées est Ibiza. Il a été vu dans les boîtes de nuit de l'île espagnole à maintes reprises, avec ses coéquipiers et amis, Luis Suarez, Jordi Alba, Neymar et j'en passe. Ce n'est donc pas étonnant que l'Argentin ait déboursé 9,5 millions d'euros pour s'offrir une énorme villa là-bas. Numéro 4, Dave Whelan et son manoir londonien à 10 millions d'euros. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce joueur-là. Ce n'est pas étonnant, parce que Dave Whelan est un footballeur de l'ancienne génération qui a été actif entre 1956 et 1966. Après sa retraite, l'Anglais a décidé de se reconvertir en businessman et a fondé de nombreuses chaînes de magasins très lucratives. Il a ramassé une sacrée fortune et a même racheté l'ancien club de Premier League, Wigan Athletic. L'ancien latéral est maître d'un manoir à Londres d'une valeur de plus de 10 millions d'euros. Numéro 3, Cristiano Ronaldo et sa villa à 11 millions d'euros au Portugal. Sur le pied du podium, on retrouve Cristiano Ronaldo. CR7 est propriétaire de la maison la plus chère du Portugal, située dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, à car l'un des quartiers résidentiels les plus chers. Le manoir de 3 étages a une superficie intérieure de 2720 mètres carrés et une superficie extérieure de 544 mètres carrés, avec beaucoup d'espace ouvert et une grande piscine. L'endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique et est équipé d'un ascenseur et de panneaux solaires. Le garage peut accueillir jusqu'à 20 voitures. Numéro 2, la villa à 12 millions d'euros de Wayne Rooney. En deuxième position, faisons place à l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney. L'immense demeure de l'Anglais, située dans le Cheshire, regorge de trésors. En outre, la maison possède 2 lacs artificiels, une piscine, un home cinéma, un terrain de football synthétique et une salle de jeu. Si la maison est si chère, c'est aussi parce qu'elle a été construite de toutes pièces. Numéro 1,
l'énorme maison de David Beckham à Londres pour 15 millions d'euros. Le footballeur ayant la maison la plus chère est David Beckham, avec sa somptueuse demeure à Londres. L'ancien joueur et légende de Manchester United a acheté sa maison en 2013 pour un prix de 15 millions d'euros et a entrepris de la rénover à coups de millions. Son surnom, le Buckingham Palace. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusque-là. Quelle maison te choque le plus? Partage-moi ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, ainsi que notre canal Telegram pour découvrir du contenu toujours plus sensationnel. Et n'oublie pas, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 euros. Qu'attends-tu pour nous rejoindre ?